Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3 où ce S'il monsieur vous tousse plaît. d'entrée de jeu. Pardon. De l'eau. Donc, madame, nous allons vous emmener comme convenu à Rivet City, n'est-ce pas? Oui. Ah, on n'y est pas encore, apparemment. Et donc, nous allons traverser ce pont mécanique et rejoindre le bâtiment donc, qui est en fait la ville, Rivet City. Hop. Eh bien, tu as tenu ta promesse. Bah oui. Je ne m'y attendais pas. Merci. Ouais, t'as été héroïque. Mais ne chope pas le melon. Bon, sérieusement, merci de m'avoir tiré des pattes de Dukov. De rien. Ce fut un réel délice. T'as un couteau maintenant, par Ouais, contre. t'as été héroïque. Mais ne chope pas le melon. Juste pour voir qu'est-ce qu'elle avait sur elle. Deux Bon, capsules et une bière. sérieusement, merci. Plus un Oui, geste. je ne bouge plus. Dites-moi ce que vous venez faire. Je n'ai pas à recevoir de vous, mon vieux. Oh, je me promène. Oh, laisse tomber, je me casse. Sur ce navire, si. Vous ne passerez pas sans mon accord. Alors je vous le redemande. Oh, je me promène. Vraiment. D'accord, vous pouvez vous balader tant que vous ne faites pas de bêtises telles qu'essayer de m'égorger pendant mon sommeil. Vous ne Franchement, ça me feriez pas tente. quelque chose d'aussi stupide. Il y a un dénommé Pinkerton sur ce navire. Je suis un peu perdu. Vous pouvez m'aider? Pourquoi êtes-vous tous enroués? Merci pour le coup de main. Bonne compagnie. Merci de m'avoir tiré des pattes de Dukov. Et le coup de main en question, chers amis, c'est tout simplement d'avoir. Je regardais quelque chose, je ne me rappelle plus trop de ce bâtiment. C'est tout simplement d'avoir su protéger notre. Cage d'escalier vers marché de Rivet City. Cage d'escalier. D'avoir protégé l'entrée, tout simplement. Je leur remercie pour ça. Alors, pont intermédiaire, Common Room, Saint Monica's Church, Science Lab. Non, on va pas aller au Science Lab parce que ça va lancer la quête. Ah, quoi qu'on peut peut-être fouiller aussi, attendez. Wow. On peut fouiller normalement. Bah voilà. Difficile. C'est combien? C'est 75. Pourquoi pas? Je cherche des fauteurs de troubles. Il y en a eu dans le coin? Non. Porte de Staley. Vous jouez avec ça, on va avoir un problème. Je suis caché normalement. Appelez. Ah, j'ai raté mon truc. Oh, c'est bon. Je suis pas si gentil que ça. Et alors? Le jeu m'en veut. Pour ce qu'il y a en plus là-dedans. Ah, j'ai gagné un niveau. Génial. Donc on avait dit science, chers amis. Hop, voilà, j'ai mis ce qu'il faut en science. Voilà, je vais mettre un point de plus. Et je vais mettre aussi en arme légère. Quelques points. Ça augmentera les dégâts donc des différentes armes. Sanguinaire, oui d'accord. Commando, en cas d'utilisation d'un fusil ou d'une arme de main similaire à la prison du SVT. D'accord. Farfouilleur. Plus de munitions dans les conteneurs, la taille compte. Vous devez. Bon, 15 points supplémentaires. Munitions, tant que vous conservez un karma neutre, rein d'acier, résistance aux radiations. On va prendre farfouilleur. Pour être sûr de trouver plus de munitions, chers amis. C'est malheureusement nécessaire. Pas là pourtant, non? D'accord. Hop. Parfait. Pff, rien d'intéressant, cependant. Bureau vide. Planche à découper. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un truc intéressant là-dedans. Apparemment non. Apparemment non, je suis étonné. Bon, bah écoutez. Peut-être un lieu de quête, hein. Salut! Serais-tu le fameux Stan? Ou Staley, oui, c'est ça, apparemment. Bon, continuons. F5, sauvegarde. Porte de Cantelli. Qui est Cantelli? Oula. Vous voulez du buff-out? Peut-être un petit psycho? D'accord, je vois quel J'espère genre de. vraiment que vous songez pas à entrer là-dedans. Hein? Un dealer de drogue, moi, les dealers de drogue, je les tue, moi, fais gaffe. Labo scientifique, non, nous n'irons pas. Salut.
Labo scientifique aussi? Ah oui, les deux portes. Bah écoute, Salut. pourquoi pas? Oh, c'est le musée! Alors lui, il va me reprendre toutes mes pièces de Seconde Guerre mondiale. Truc d'avant-guerre. Argent d'avant-guerre. Normalement. Une collection impressionnante, n'est-ce pas? Abraham Eh bien, ne Washington. soyez pas timide! Jetez-y un œil. Je suis Abraham Washington, conservateur de cette petite tranche de l'histoire américaine. N'empêche que c'est vachement important. Oui, une connexion très intéressante, en effet. Ah! Je suis Ça d'accord, moi vous j'apprécie intéresse ce geste. aussi, je Le vois. fait de Chacun perpétuer des le comment documents de cette l'histoire. salle raconte un fragment important de l'histoire des États-Unis Oui, d'Amérique. je suis d'accord. Malheureusement, le plus important de tous est absent de la collection. Oh, je m'en rappelle. D'accord, je marche. Quel est le document En manquant? 1776, le second congrès conventionnel Oui, s'est je m'en doutais, réuni j'avais et a oublié. adopté un La document déclaration rédigé par d'indépendance. Thomas Jefferson en personne. C'est ce jour-là que les États-Unis d'Amérique ont reçu leur nom et sont entrés dans l'histoire. Cette magnifique réalisation a pris la forme de la Déclaration d'indépendance. Oui, et je comprends. Si vous voulez que je porte, que je vous apporte la déclaration, il suffit de demander. Oh, vraiment? Je suis Ça serait d'accord. tellement important pour la collection de la société et pour moi. Bah oui. J'adorerais entrer dans l'histoire et vous apporter la déclaration, tout à fait. Excellent! Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Imaginez, vous allez écrire un nouveau chapitre de l'histoire Et mon Dieu, américaine. qu'il est dur Je ce niveau, vous enfin ce envie. truc. Vous pourrez trouver la Déclaration d'indépendance dans les ruines des archives J'ai eu nationales. du mal à les trouver, moi, la première fois. Vous me montrez comment aller aux archives nationales sur ma Dans carte, les tout à fait. ruines de DC, vous trouverez les archives nationales. Où ce qu'il en reste? ou plutôt ce qu'il en... Ce D'accord. bâtiment devrait abriter le document sous une boîte en verre. Faites attention, l'endroit grouille de C'est ce qui me super semblait. mutants. Tenez! Allons-y. Alors de plus, chers amis, on a dépassé le niveau, donc on peut aller faire les trucs de porte d'Abraham. Est-ce qu'il a pas un bouquin sympa pour moi? Oh. Du coup, normalement, si on met les vêtements de science, on devrait pouvoir. Favoris, shutting, enabling. Ça aurait été tellement beau. Cérémonie, non plus. Hop, allons-y. Deuxième tentative. Pleasant, cleaning. Everyone, non plus. Hologramme, conquête, Coliseum. Je sais le truc avec en rapport avec l'histoire, hein, mais. Apparemment, j'ai pas beaucoup de chance. Courtoisie, non. Fortress, non plus. Cocktail, non plus. Sauvegarde rapide, parce qu'on est en train de perdre notre karma. Alors, cackling. Caravans, non. Crawling. Ah la vache, ça devait être autre chose alors. Alors. Cremated, non. Revolted, non. Samantha, non plus. Ça aurait pu être Samantha, hein. Désolate, non. Destruct, non plus. C'est pas Describe. Mistakes, non plus. Eh ben dis donc. On en chie à le trouver. Conflict. Sinister. Sleeping. Bon. Petit F9. Alors, rewarded, non. Refugees, non. Transfer, non. Égyptienne, non plus. Smoothly, non plus. Position, non plus. Hop. Obsessed. Non. Alors, est-ce qu'on a un truc qui finit par celle aussi?
Cède, 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 cède. Allons-nous y arriver? Férocité. Religion. Résident. Demande d'aide. Dislikes. Remember. Ça aurait été beau pour un musée, remember. Location. Questing et sélection. Section. Pour les sections d'un musée aussi, ça aurait pu être ça. Invented. 6 sur 8. Ah 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 ah. Un Volved, non. Inventeur, non plus. Putain. J'en chie, chers amis. Defeated. Injected Reserves. Reserves, non plus. J'y arriverai pas. Pas un, 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 comme ça, hop. J'ai pas trouvé. Bon. Resident, on a déjà fait non. Purifier, non plus. Stealing, ça aurait pu être stealing. Toujours pas. Oblivion, tiens. Training. Non plus. On va faire un petit F9. On va le trouver, chers amis. Timeline, ça aurait été beau. Favorite. Preserve. Ça aurait pu être preserve normalement. Oh là là. On a vraiment pas de bol. Inventeur, on a dit non. Chainsaw, non plus. Invented, on a dit non. Perilous, welcomed. Décorate, non plus. Putain, on va pas le trouver, il veut pas tomber. Hein. Learning, voilà, le voilà. Putain, on l'a eu, tant bien que mal. Hein. Tout ça pour savoir, expédition de la déclaration. On a d'être tombé à l'eau, la garce que j'ai engazée. Sidney dit qu'elle allait s'en occuper, cela fait des mois que je ne l'ai pas vue. Je parie qu'elle est morte ou qu'elle s'est tirée avec l'avance que je lui ai donnée. C'est la dernière fois que je fais confiance à quelqu'un, j'ai dit à Harkness d'ouvrir l'œil au cas où elle reviendrait en ville. Ça m'apprendra à envoyer une femme faire le travail d'un homme. Collecte artefact de Lincoln. J'ai découvert à travers le lire qu'il y avait encore des artefacts de Lincoln dans le musée d'histoire. Je pense que je pourrais étendre mes activités au-delà de la collecte de documents et si je réussissais à mettre la main sur ces joyaux. Le seul problème est de trouver quelqu'un de plus courageux que moi et capable d'entrer dans ce musée en un seul morceau. D'accord, okay. Et donc pour le reste, j'imagine que ce sera une autre partie de la mission. Hop, pourquoi pas. Caisse de munitions. Il avait deux missiles sur lui, vous permettez que je lui prenne quand même. Plus il a une confiance absolue en moi. Ah mince, je suis full par contre. Je suis full. Un petit peu d'eau, ça fait du bien. Je dois commencer à avoir soif. Bienvenue à la société, d'accord. Oh oh. C'est quoi à côté? Grenade à impulsion et grenade frag. T'es sérieux? Qu'est-ce que tu fous avec tout ça, le vieux? Un établi. Mine à capsule, je prends. Elle vaut tellement d'argent, la mine à capsule. Quoi, là? Cartouche de 10 mm. Simplement, je regarde si t'as pas quelques petits trucs sympas que je puisse emmener. Apparemment, non. Tu n'as rien de tout ça. Donc, on y va. On poursuit notre, salut. Notre petite balade. Le labo. Une espèce d'église. Les appartements du prêtre. Porte du presbytère. Oh. Oh, je suis détecté, t'es sérieux? Je suis détecté. Si on attendait un petit peu.
Il est 3h de l'après-midi, 4h pratiquement. Mettons-nous à 8h à peu près. Ah non, c'est à 10h j'ai mis. Bon bah écoute, pourquoi pas. Oh! Oh non! J'étais caché il y a 5 secondes. Voilà. J'espère vraiment que vous ne songez pas à entrer là-dedans. Mais où est-ce qu'il est? Ah, il m'a vu. On va encore attendre un petit peu, c'est pas grave. Tu vas me laisser rentrer dans le presbytère, le vieux? Tu peux me faire croire qu'à 1h du matin, il est encore là. Putain. D'ici 1h, il sera parti. Est-ce qu'il faut que je l'abatte? Je ne veux pas lui parler. Ça fait plaisir de vous voir. Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler. Vite, allons-y, chers amis. C'est littéralement pendant qu'il a le dos tourné. Qu'est-ce qu'il a dans le bureau? Des capsules. Petit livre abîmé. Un vestiaire. Coiffure d'avant-guerre. Oui, des vêtements d'avant-guerre, on en somme. Un vestiaire. Hop. Verrouillé. Dommage. Hop les. Et pas d'autre chose. Bon. Tout ça pour le presbytère qui était pas si intéressant que ça, mais c'est pas grave. Il vaut mieux se mettre à chercher correctement. Seagrave Holmes. Oh, Holmes. Vraiment. Alors, reprenons un petit peu notre recherche de code intricate. Voilà, bon, on l'a trouvé du premier coup pratiquement. Enfin, du premier essai en tout cas. Idée d'arme de survie. J'ai une idée pour une arme de survie. Il y a des tonnes de clous pour un rail. On va fabriquer une sorte de lance-pierre pour s'en servir comme projectile. Bannon. Nous savons tous les deux que Bannon n'a pas en tête l'intérêt général d'arriver à Titine. Elle s'intéresse pas, c'est bénéfique. Re Bannon si. Ah mince. C'est bon, dans les basquerelles politiciennes, Bannon n'a rien n'a fait de répréhensible. D'accord, donc bizarrement il a changé d'avis. Non, c'est une réponse, c'est la réponse en fait. Ok, pourquoi pas. Je prends la clé de ta chambre, ça ne te dérange pas. Des conserves, oui bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a? Mis à part un fer. Marketplace closed at night. Intéressant. C'est un poil de cul à gauche. Non? C'était à droite en fait. J'ai été mauvais. On avance. Vous ne savez peut-être pas à qui vous parlez. D'accord. Alors vous êtes sous les ordres du chef. Alors vous êtes sous les ordres du chef Harkness. Je suis son adjointe. J'assure le service de nuit et lui. D'accord. Cette conversation doit mener. Non non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en service. Bon, bah écoutez, suivez-moi autant que vous voulez. Hein. Je peux rien voler en fait, c'est ça le principe. Il me colle tellement au cul que je ne peux rien voler du tout.
En ce cas, ce n'est pas intéressant. On va mettre de la vie dans l'épisode. Ah oui, aucune intrusion. D'accord, je sors. Si vous jouez... Je sors. Ah oui, d'accord, j'atterris vraiment au mauvais endroit, littéralement. Ok, pourquoi pas. Descendons. The Muddy Road. Juste pour voir la qualité de leur flotte. Oh, elle est bonne. Oula, par contre, je vais avoir un problème de radiation d'ici peu de temps. Radaway. Hop. Ah. Enfin. Un petit peu de... Bah, un petit peu de vie, j'ai dit. Oh. Les réserves de Muddy. Faire les poches de Brock. Ah. Il a pas apprécié. Voyons voir. Ça va être compliqué de lui voler le 2. Allons-nous pouvoir lui voler les 2? Non. On va y arriver, hein. On va y arriver, j'ai dit. Voilà. Hop. Ah, j'ai pas ce qu'il faut comme clé. J'ai pas la bonne clé. C'est marrant, ça. De l'alcool, le frigo. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais je vais rien voler, t'inquiète pas. C'est déjà fait. C'est tellement beau. Hop. Voyons voir, j'ai entendu une voix de femme. Hop. Mon karma a diminué, je serais curieux de savoir quel est le niveau de mon karma actuellement. Belle Bonnie. T'apprendras à dormir. Trini. Clé de Trini, clé du Muddy Rudder. Hop. Oh, c'est dégueulasse. Ça ronfle. Cartouche de 10 mm, je suis détecté cependant. J'ai pas envie d'être détecté. Salut. Hop. Ça passe plutôt bien. Ça dort plus. Laisse-moi. Hop. Vous n'avez rien vu. De l'eau. De l'eau. Elle veut de l'eau, je crois. C'est bizarre. Bon, bah on a chopé tout ce qu'il y avait à choper, à part de l'alcool. Cependant, on n'a pas eu la clé du... La clé des réserves. C'est marrant, ça. Ça, par contre, c'est tout con. Bon. Nécessite une clé. Bon, on l'aura pas. Bon, mais écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre dans le groupe Steam Joueur de la Playroom si vous voulez, simplement. Me rejoindre dans une de mes aventures. N'hésitez pas à jeter un oeil au lien dans la description de l'épisode, qui sont en fait les liens vers mon partenaire gamesplanet.com, donc qui vous offre des jeux à prix assez réduit normalement. De ce que j'en ai vu en tout cas, c'est même plutôt bien. Vous pouvez aussi retrouver les liens directs vers les différents jeux Fallout qui sont vendus sur le site, à savoir Fallout 3, GOTY, comme donc ce jeu là. Fallout New Vegas, Fallout New Vegas Ultimate Edition et Fallout 4 en précommande. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens!